Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Noir 2 en Arena Reset Challenge, même si du coup ça vaut plus le coup de le préciser vu que on a battu la ligue la dernière fois avec Iris et on était venu ensuite eh bien dans le palais de N qui est maintenant en ruine pour combattre N et son Zekrom et à la fin Zekrom était retourné dans le galet noir que nous a donné N et nous a dit d'aller à la tour Dragospire. Donc du coup c'est ce qu'on va faire maintenant, on va aller à la tour Dragospire. Déjà on va ressortir du palais parce que au final c'était quand même il y avait quand même pas mal de petits trucs. Vas-y, laisse-le repousse, il y a pas de souci. Il y avait quand même pas mal de routes en vrai hein. Non, c'était pas par là. C'était par là. Ok, voilà, parfait, très bien. Très bien, très bien. Ok, donc on ressort effectivement le palais qui s'est effondré un peu dans Pokémon Noir et Blanc 1, du coup. Et maintenant, il est un peu en plein en dessous de la route Victoire. Bon, alors, on est ressorti d'ici et on va pouvoir voler. Hop, alors déjà, il va falloir que je passe par un centre Pokémon également, mais ça, c'est pas grave. La tour Dragospire, si je ne me trompe pas, c'est au niveau de Parsemide, c'est un peu au-dessus, donc ce serait bien ce truc-là. Ah non, ça, c'est la tour des cieux, Montforêt, c'est pas par là. Ah, tour Dragospire, ok. Donc ça doit être à côté de Flocombe. On peut y aller d'ici. Alors, je sais pas si on peut y aller de Parsemide, parce que sinon, on aurait pu y aller directement. Je pense qu'on va y aller d'ici, à partir de Janusia. Ok, pont ferroviaire. Et là, il y a quoi? La tourbière Flocombe. Bah écoutez, on va y aller par ici, je pense. Parce que je me rappelle plus pourquoi de Parsemide, on pouvait pas y aller. Mais à mon avis, si on n'y a pas été, c'est qu'on pouvait pas. Hop, alors, je vais me soigner au centre Pokémon, rapidement. Comme ça, au moins, je vais être prêt. Hop, et mes Pokémon tous en pleine forme. Au final, ça s'était plutôt bien le passé. Le combat contre N. Voilà. Très bien. On se soigne et on est parti du coup. Hop. Alors l'avantage c'est que je crois que bah d'ailleurs tiens j'ai pas tilté mais il y a plus tous les pics de glace là dans les crédits de fin. On avait vu qu'ils étaient en train de casser les pics de glace etc. Et j'allais dire justement que l'avantage c'est que sur cette route là j'y étais déjà allé notamment pour m'entraîner et on avait capturé également un Pokémon ici. Mais du coup, les dresseurs, je les ai déjà faits. Ça, je suis quasiment sûr. Les motards, là. Et par contre, attends, j'arrive même pas à avancer. Hop. Alors, eux, je suis pas... Si, eux, je les ai faits. Ok. Et, ah, voilà. Et là, il y avait un personnage qui me bloquait le chemin. Et donc là, je crois que... Ben, on va pouvoir y aller. Très bien. Très bien, très bien. Ouh, la petite caméra qui change. Oui, c'est vrai que sur les ponts, la caméra change. Sympa. Sympa, sympa. Le pont ferroviaire. Du coup, je suppose, c'est parce que il y a le train. Voilà, le train qui passe juste en dessous. Très sympa. N'empêche, cette région là avec les différents ponts, chaque pont avait un peu son identité visuelle et c'était très stylé. Il y avait des angles de caméra à chaque fois. Hop, je me souviens surtout de celui de Volucité là qui tourne en rond, qui était très 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 sympa. Alors où est-ce qu'on arrive là? L'effet du repousse encore. Et donc, c'est des repousses en plastique là. Hein, ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, il y a des dresseurs. C'est des dresseurs ou pas? Ah bah. Ah, attends. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une balle. J'ai vu qu'il y avait une balle. Je vais aller la chercher. Voilà. Une grande perle. Très bien. Et du coup, les petits rondins, là, je peux pas marcher dessus. Ouais, non, je peux pas marcher dessus. Ok. Alors. Et du coup, elle, c'est pas une dresseuse? Parce que je suis passé devant, elle m'a rien dit. T'es une dresseuse, toi? Ah bah oui, ok. D'accord, super. J'entendais les mouvements des oreilles flaques d'eau. Bah oui, c'était moi. Ok, bon, bah, on va quand même esquiver, alors. Ah! Et en plus, c'est un combat rotatif. Bah super. Morpheo, Morpheo et Morpheo. Génial. Génial, génial. Ah malheureusement, ils vont tous se transformer en Morpheo pluie, je pense. Je pense pas que tu vas avoir des Morpheo soleil, pluie et grêle. Mais bon. Ok, Morpheo. Très bien. Ah, les autres ne se changent pas. Ok, très bien. Je vais envoyer... comment il s'appelle? Je vais envoyer Caraclé. Et je vais faire... Ah mais attends, non, je crois que... Ah oui, je crois que quand il se change, il gagne aussi le type O. Donc en fait, ça sert à rien ce que j'ai fait. Parce que je pensais que Morpheo est type normal. Et du coup, je me disais, bah, je vais faire des gros dégâts.
Mais pas spécialement en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on fait quand même des bons dégâts. Ah oui, j'avais pas tilté du tout. C'est que du coup, lance-soleil. Bah voyons. Je vais pas te laisser faire lance-soleil, mon petit pote. Hein. Désolé, mais là, j'ai pas envie de me prendre cette attaque-là. Après, en même temps, lance-soleil en étant sous la pluie, c'est pas très malin. Hein. T'aurais fait zénith encore, je dis pas. Mais là... Ok, météo. Et vu qu'il pleut... Ah, 3 morphéos de type pluie. Ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup. Ok, bon bah hop. Tiens, toi, je vais pas te mettre KO. Et à la limite, sur le dernier, je vais faire close combat. Comme ça, au moins, je suis sûr de le mettre KO en un coup. Ça nous fera gagner un petit peu de temps. Voilà, vas-y, Annabelle. Envoie ton Pokémon à ta gauche, à ta droite, comme tu veux. Voilà. Parfait. Ok, baisse de défense, mais c'est pas grave. C'était le dernier Pokémon. Très bien. Yes, bah dis donc, il y en a plein qui gagnent des... Ah bah oui, c'est vrai que c'était un combat de trio. Enfin, rotatif, pardon. Hop. Ok, donc du coup, faut bien que j'évite les dresseurs. Très bien. Eh ben, on va essayer d'éviter les dresseurs, là. Ok. Wow. Ok. Je dis, on va éviter les dresseurs, et au final... Ok, parfait. Vite. Ah, c'était pas par là. C'était pas par là. Mince. Bomberk. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, Bomberk, en vrai, hein. Plutôt sympa. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Je sais pas comment je l'ai esquivé. Il m'a poursuivi, mais il a pas couru assez vite. Ah, attends, du coup, faut que j'aille par en haut. Attends. Ah, mince. Ok. Vas-y. Ah, bah non, mais où est-ce qu'il faut que j'aille, alors? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ok. L'effet du repousse. Oui, vas-y, mais garde le repousse. Il n'y a pas de souci. Attends, est-ce qu'il faut que j'aille au-dessus? Il y a un chemin au-dessus? Ah non, j'ai pas vu elle! Oh. Où est-ce que je suis censé passer, là? Je vois pas. Ah bon, déjà, on va affronter la petite Moémie. Moémie. Ah ouais. Noémie, je connais, mais Moémie. Escargôme, ok. Oh là, la pluie, c'est désespérant, la pluie. Ok, vas-y, on va faire éboulement, je sais pas trop quoi faire, là, j'avoue. Allez, parfait. Type insecte, là. C'est super efficace. Tritozer. Ah bah, Tritozer, on va changer, et on va se faire un malin plaisir à amener Majaspic pour faire x4 en dégâts. Et ça fait plaisir. Ok, petit Tritozer, là. Allez, un petit lame-feuille. Voilà. On te le coupe, la limace de mer, là. Hop. Ouais, ça tue, hein, ça. On va pas me dire que ça ne tue pas. Hein. Ok. Parfait. Et un Limagma. Oh, bah dis donc, équipe assez équilibrée, en vrai. Hein. Assez équilibrée, l'équipe. Je dois avouer que ça me fait un peu utiliser tous mes Pokémon, là, donc... Tu iras loin. Tu iras loin, ma petite. Allez, ébullition. Hop. Limagma. C'est bon, c'est la première fois qu'on voit un Limagma. Et même, je me suis fait la même réflexion sur Tritozer. Je me suis dit, est-ce qu'on en a vu d'autres des Tritozer dans l'aventure? Je sais pas. Maintenant qu'on a battu la Ligue, ils ont peut-être des Pokémon des autres générations. Je sais pas si ça marche comme ça. Ah, il y a un passage, là. Ok, donc ça a l'air d'être par là. Tu veux pas te retourner? Ah, elle se retourne pas, elle. Hein. Ah, elle se retourne pas. Elle ne se retourne pas. Ok. On dirait une fleur sous la pluie. Bah écoute, vas-y. Continue à faire tourner ton parapluie, alors. Si ça t'amuse. Lise, Morpheo, Voltaïde, Ludicolo. Oh, combat trio, j'avais pas tilté. Ok. Ok. Très bien. Va falloir faire gaffe à ce qu'on fait. Ok, météo, il se change en type eau. Alors, bah toi déjà, tu vas pouvoir faire éboulement, comme ça tu vas en toucher deux, ça c'est cool. Toi, on va faire laser... Non, je vais faire psycho sur le Voltali, parce qu'en fait c'est le Voltali qui me fait le plus peur, là. Et on va faire casse-brique sur Morpheo. Allez, hydrocanon, oh on a esquivé, Fatal Foudre. Ah ouais, alors Fatal Foot, mais tu attaques pas mon Pokémon haut.
étrange. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein, j'ai rien contre toi, hein, mais j'avoue que... Intrigant. Intrigant. Bon, en tout cas, le petit coup critique qui est passé sur le Morpheo, là, ça, ça fait plaisir. Ok. Le psycho. Très bien. Éboulement. Je pense pas que ça va mettre KO le Voltali. Ah, si. Si. Ok. Il reste que le Ludicolo. Ça va. Ça doit le faire. Ah, mais en fait, Willy, il doit avoir le multi-expérience. C'est pour ça qu'il est plus haut niveau que tout le monde. C'est pour ça. Ah, le filou. Vas-y, on va faire Plécroix. Normalement, il est type plante, lui. Vas-y. De toute façon, peu importe. Peu importe. Ah, puis toi, malheureusement, vas-y, fais vengeance. Tu vas te venger de je sais pas quoi. Ok, hydrocanon. Est-ce que je le tiens? Ah, malheureusement non. Malheureusement non. Mais c'est pas grave. Ok, vengeance. Et... Oh, sérieusement, t'aurais pu l'avoir. T'aurais pu l'avoir, là. Vas-y, Majaspic, à toi de jouer. À toi de jouer, mais là, il reste 4 PV, quoi. Allez, retour, vas-y. Hop, psycho. Et toi, force. De toute façon, je peux pas attaquer grand monde, hein, donc... Ok, ah bah voilà, parfait, j'ai la trouille. Bon, c'est pas très grave. Voilà, parce que... J'avais mes 3 Pokémon qui attaquaient, même s'il y en a un qui a la trouille, t'inquiète pas que... Tu allais être Mikao, petit Ludicolo, là. Ok. Bon. Eh bah, c'est parfait. C'est parfait. Alors, je vais juste changer de Pokémon, là, parce que du coup... C'est pour ça que Willy, il avait objet... Déplacé, et du coup, je vais le donner à... Bon, aux Auspices, vas-y. Hop, contre le Joyeux Spectre, très bien. Très bien. Ah bah du coup, Willy, là, le Joyeux Spectre. Bon, c'est pas très intelligent, mais c'est pas grave. Ok, alors du coup, on avance. Ok, Tourbière Flocombe. Ah bah c'est la prochaine ville, ça, Tourbière Flocombe. Ok. Ça doit pas être un dresseur, parce qu'il n'y a pas de dresseur comme ça. Je vais te raconter une vieille histoire. C'est dans cette forêt que la guerre jadis se déclara. Un jeune Pokémon perdu la trace de ses parents. Sans eux, il ne pourrait pas survivre, ont dû penser les 3 Pokémon. Cobaltium, Terrakium et Viridium ont alors décidé d'assurer sa protection. Je me demande ce qu'est devenu ce Pokémon aujourd'hui. Ah ah. Effectivement. Il y a les 3 mousquetaires, mais tout comme dans l'histoire, il y a D'Artagnan, et ben là, il y a un quatrième de... Il y a un quatrième, comment dire, avec... Ok, alors je sais pas s'il faut que j'aille là où j'ai poussé le rocher. En fait, j'ai poussé le rocher parce que je me suis dit je vais me créer un raccourci, c'est cool. Mais Ok, ouais. J'allais dire, il y a quand même un intérêt à venir ici. Oui, t'es son vert, ok, très bien. Ok, qu'est-ce qu'il y a par là, là? Oh, repousse, c'est dissipé. Bon, vas-y, attends, on remet pas parce que là, il y a pas d'herbe depuis le début, donc... Hop, qu'est-ce qu'on a, là? Et j'arrive pas à prendre la boule. Et Kiker! Ah, très bien. Très bien. Bon, ça nous servira, je pense, plus, mais on en a eu besoin à un moment. Ok, si je saute là, ça fait quoi? Je suis arrivé où, là, en fait? Ah, mais il y a plein d'objets, là! Ah, il y a de l'eau dans les flaques! Il y a des Pokémon dans les flaques, là! Oh, mais d'accord, super, un Limonde! Génial! Fuite! Fuyons! Ah, bah du coup, je vais remettre un repousse. Je pensais pas qu'il y avait de l'eau dans les flaques. Je pensais pas du tout qu'il y avait de l'eau... qu'il y avait de l'eau dans les flaques. Non, mais n'importe quoi. Qu'il y avait des Pokémon dans les flaques. Heureusement qu'il y a de l'eau dans les flaques, hein. Oh, super bonbon, génial. Super bonbon. attends. Ah, mais il y a plein d'objets partout. Il y a des dresseurs un petit peu partout également. Hop, c'est grand, cette zone, au final. Je me rappelais pas du tout de cette zone. Mais ça a l'air vachement grand, hein, mine de rien. Ok. Par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre par ici, là? J'ai vu qu'il y avait encore un passage. Ah, là, c'est de là où on est arrivé. Alors, attends. Si je passe là... Ouf, j'ai risqué. J'ai risqué, mais c'est passé. Ok. Ah, mais rien du tout, en fait. Ah, si, il y a une boule. Ok, direct toxique. Oh! Très sympa, direct toxique. D'ailleurs, c'est une des attaques que je voulais apprendre à comment il s'appelle, à caracler pour la ligue. Mais du coup, bah vous voyez, la CT, on l'a seulement maintenant. Donc, bah je pouvais pas l'apprendre avant. Ok, très bien. Alors attends, parce que sur la carte, je vois pas du tout où est-ce qu'on est là, en fait. Je vois pas du tout où est-ce qu'on est. Aussi bien, on n'est pas du tout au bon endroit. Non, ça c'est la boîte à médailles. Carte.
Alors, on est monté. On n'est pas loin de Flocombe, là. Hein. C'est la tourbière Flocombe. On n'est pas loin de Flocombe, mais comment j'y accède? Comment j'y accède à Flocombe? Oui, vas-y, utilise un autre. Attends, ça doit pas être par là, en fait. Hein. Je devais peut-être pas rentrer là-dedans. Hein. Ok, bon, toi, je t'ai affronté, ça, je sais. Toi, je sais plus si je t'ai affronté, donc on va t'esquiver. Ok, voilà. Et je crois que j'y suis allé, là, en fait. Attends, c'est quoi ce panneau, là? Route 8. Super, génial. Génial, génial. Et c'est là, Flocombe, en fait, on le voit. Comment j'y accède? Ah, peut-être par en dessous, là, j'ai vu qu'il y avait... Ah, Flocombe! Non, mais en fait, on y était depuis tout à l'heure. Ah là 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 là, le loser! J'ai été me balader, moi, dans la petite tourbière, là. Non, vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Dans la petite tourbière, tranquillou. Alors qu'en fait, on était déjà à Flocombe. C'est juste qu'il fallait monter les escaliers, hein. Bon, bref. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, nous, l'objectif... Bon, Flocombe, c'est sympa, hein. Mais dans cet opus, dans Noir et Blanc 2... Normalement, il y avait une arène dans Noir et Blanc. Mais dans Noir et Blanc 2, il n'y a pas d'arène. Enfin, en tout cas, il y a peut-être l'arène, mais il n'y a pas de badge à avoir ici. Hop, d'ailleurs, l'arène, je crois qu'elle était par là. Ouais, voilà, c'était ça. Ancien site de l'arène de Flocombe. D'accord, bah c'est bien marqué que c'est l'ancien site. Nous, on voulait aller à la tour Dragospire. Ah bah, ok. Bah voilà, ça aurait été rapide, hein. Ça aurait été rapide, mine de rien, on s'est un peu paumé. Le mystère est resté entier. Cette tour Dragospire est-ce le symbole de l'idéal, de la réalité? Oh. Oh, te voilà. Il y a 2 ans, un jeune garçon est allé à la rencontre d'un des Pokémon légendaires au sommet de cette tour. Il y avait un idéal, il voulait changer le monde. Plus loin se dresse la tour Dragospire. Elle s'élève ici depuis les temps les plus anciens que la fondation du Nice. Au sommet, le Pokémon Dragon de la légende attend la venue d'une personne en quête d'idéal, paraît-il. Mais c'est le galet noir. Tu devrais te rendre au dernier étage, changer le monde. Quelle ineptie. Par contre, tu peux te changer toi si tu veux devenir plus conforme à ton idéal. Ah, je suis devenu trop dur, peut-être. Rien de tel qu'une douceur dans ces moments-là, n'est-il pas? Un vieux gâteau. Ok. À une autre fois, j'espère. Très bien. Alors attendez, vite fait, je vais juste regarder, c'est que... est-ce qu'on a des balls? Parce que bon, je pense que vous en doutez, hein. Hop. Rapid ball, scuba ball, honor, chrono, hyper, j'en ai 28. Oh, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va faire en sorte que ça le fasse. Ok. Alors, du coup, la tour Dragospire. Alors, si je me rappelle bien, elle est assez longue, la tour Dragospire, parce qu'il y a plein de trucs... Ah bah non, c'est pas ça que je pensais, alors. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Oh oui, c'est celle-là où faut monter dessus. Oui, mais du coup, ça me donne rien. Ok. Attends, je peux pousser ce rocher, là. Je peux pousser ce rocher. Oui, c'est vrai qu'on peut monter sur les piliers. Mais j'avais souvenir, alors je confonds peut-être avec une autre tour. Mais la tour, elle était en rond. Ah mince, j'ai plus le repousse. La tour, elle était en rond. Et je sais plus, fallait bien prendre le chemin. C'était un espèce de petit labyrinthe. Mais je confonds peut-être avec une autre tour. Je confonds peut-être avec la tour des cieux. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Alors par contre, je vais remettre le repousse. Parce que là, il était utile, le petit repousse. Hop, normalement, on avait racheté la dernière fois. Bon, j'en ai usé pas mal tout à l'heure, alors qu'au final, j'étais dans des zones où... Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. N'importe quoi, j'allais dire, je vais pas donner une repousse à un Pokémon, enfin, ça sert à rien. Ok, une Hyper Ball, ah bah parfait, comme ça j'en ai une de plus, au moins, ça, c'est une chance supplémentaire. Ok. Ah! Alors non, c'est pas à ça que je pensais. Mais effectivement, ça, je m'en souviens aussi. Ah, alors, je sais pas si j'ai pris le bon chemin. Bah, vous allez rire, mais je crois que j'ai pris le bon chemin. Ah non, pas du tout. Il faut prendre le chemin du bas. Ok, très bien. Bon, bah, on va courir. On va... Oh non! Oh non! Attends, il y avait une balle! Oh, j'y étais, en plus! Ah, mince. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis précipité parce que je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'ai pris le mauvais chemin. Mais en fait... Alors, attends, faut prendre le chemin du bas, mais là, je vais prendre le chemin du milieu pour aller chercher la balle. Voilà. Hop,
Très bien. Des protéines. Ah, voilà. J'en connais un qui serait content, là, avec des protéines. Hop. Voilà. Très bien. Et on est bon. Voilà. Ok, on monte. On monte, on monte, on monte. Et on ressort. Non, on ressort pas du tout. On arrive à une autre zone. Ok. L'effet du repousse. Oui, oui, remets-le, parce que là, je suis sûr qu'il y a des Pokémon. Très bien. Alors ça, je me rappelle de cet endroit. Ça y est, ça me revient. Il y avait des sbires de la team Plasma qui étaient un peu partout dans cette zone-là. Quand on avait dû y aller, nous... Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Orbe perlé. Oh ! Orbe perlé. Orbe platiné. Oh, très sympa, ça. Et orbe adamant. Ok. Très bien. Bon, c'est pour les légendaires Dialga, Palkia et Giratina, mais c'est pas les légendaires de cette version. Donc, Ah, bah si, c'était ici. C'est exactement cette salle que je pensais. C'est exactement cette salle que je pensais. Ah bah, comme quoi, ma mémoire ne me fait pas défaut. Hop, alors déjà, on va récupérer ça. Dracogriffe. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, est-ce que je peux aller là? Alors, j'ai vu qu'il y avait des balles. Voilà, je vais aller chercher la balle qui est... Alors, si j'y arrive... Ah, la boule qui est là. Très bien. Ensuite. Ensuite, faut qu'on aille de l'autre côté. Faut qu'on refasse le tour. Tout le tour. Oui. Remets la repousse. Faut qu'on refasse tout le tour. Alors là, il y a un mur. Alors attends, si je monte là. Si je monte, je dois pouvoir faire tout le tour. Ah non, je reviens au début. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Faut que j'aille au milieu. Faut que j'aille au milieu. Ok, alors attends. Il faut que j'aille au milieu, donc je fais ça. Je fais ça. Je fais... Voilà. On saute. Voilà, parfait. Et donc là, je descends. Le chemin est là, mais je vais juste chercher la boule avant. Voilà. Rappel max. Bah écoutez, ça peut être toujours utile, les rappels max. Hop. Ok. Ah bah donc, décidément, on en a fait des pas, hein, dans ce cercle-là. Ok. Très bien. Ah, j'avoue que c'est quand même beaucoup plus simple sans la team Plasma. Parce que je me rappelle que c'était galère, hein. Il y en avait partout, hein. Il y en avait partout. Hop. Très bien. On continue de monter. Oh là, ça s'assombrit d'un seul coup. Oh, je crois qu'on arrive en haut. Le galet noir remue dans votre sac, le sortir. Eh ben oui, on est là pour ça quand même. Le galet noir que nous a remis N la dernière fois se charge en énergie ou je ne sais quoi. L'aura enveloppe le galet noir, se transformant en une puissante vague d'énergie qui maintenant se libère. Et évidemment, il s'agit de Zekrom. Ah, stylé! Il est stylé. Et je savais pas qu'il y avait une cinématique, hein, honnêtement. Je me rappelais plus de cette cinématique-là, mais pareil, elle est très sympa, hein. Très sympa comme cinématique. Ok, et du coup, eh bien, on va pouvoir aller affronter Zekrom. Let's go! Let's go! Alors là, cette fois-ci, par contre, il va pas falloir le mettre KO comme dans le combat avec N, puisque on va quand même essayer de l'attraper. Ok, très bien. Alors, je me rappelle plus ce qu'on avait fait comme attaque la dernière fois, mais on va tenter un éboulement. Ok, éclair croix. Allez, Willy, tu le tiens, Willy. Yes. Oh, il évite l'attaque, forcément. Ah, du coup, il va me tuer. À moins qu'il se rate. Ah, ou à moins qu'il me tue pas. Ah, ok. Éboulement. Ok, ça fait pas grand chose. Possessif. Ah ouais. Il a possessif. Alors, je suis étonné qu'il ait possessif déjà. Et je suis étonné qu'il fasse possessif, en vrai.
Vas-y, vas-y, refais possessif. Oh oui, il l'a refait en plus. Ok, donc avec le éboulement, normalement, il va être dans le orange-rouge. Oh, parfait. Parfait, parfait, j'ai réussi à le mettre assez rapidement, en vrai, en bonne situation. Et puis, bah, du coup, on va essayer de l'attraper. Eh, en vrai, on s'est bien débrouillé, hein. On s'est bien débrouillé. Allez. Allez, allez, évidemment, c'est un légendaire. Donc, il va pas se laisser attraper si facilement. Pourquoi il fait possessif? Mais attaque-moi, enfin... Bah non, à la limite, m'attaque pas, hein. Moi, ça me laisse des chances. Moi, ça me laisse des chances de t'attraper. Allez, 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 allez. 1, 2, 3. Oh, de la deuxième hyperbole. De la deuxième hyper... Non, mais attendez, c'est quoi cette chance? Il a fait 3 fois possessif, il m'a pas attaqué. Et derrière, deuxième hyperbole. Non, mais attendez. Je pensais pas l'avoir aussi vite, en vrai. Un Pokémon légendaire assez puissant pour foudroyer le monde entier. Il soutient ceux qui suivent leur idéal. Dragon électrique, Zekrom. Donner un surnom. Eh bien, non, non, non. Je ne donne pas de surnom au légendaire. Évidemment. Ah, il est parti dans la boîte Arène 2. Bon, pas terrible. Ah. Zekrom te reconnaît comme son nouveau héros. Oui, il a senti que tu étais de ceux qui peuvent changer le monde. J'ai un message à te délivrer. Va à la grotte cyclopéenne, Kyurem y est revenu. Mes compagnons Pokémon me l'ont assuré. Genia, le monde dont tu rêves, en compagnie des Pokémon, il doit être rempli d'amour, j'en suis sûr. J'ai hâte d'assister à son avènement. Un jour, humains et Pokémon pourront s'entendre et s'entraider en pleine confiance, sans s'en remettre au Pokéball. Oui, je crois à ce monde. Un jour... Très bien. Eh ben écoutez, effectivement, on a attrapé Zekrom et N vient de nous dire que Kyurem était revenu à la grotte cyclopéenne puisque techniquement le légendaire de la version, c'est pas Zekrom, c'est pas vraiment Kyurem, c'est la fusion des deux. Alors après la fusion des deux, c'est du coup deux Pokémon, mais à la limite, s'il devait y avoir un Pokémon qui serait le Pokémon de la version, ce serait plutôt Kyurem. Et c'est vrai que là, on a attrapé Zekrom, pas Kyurem. Donc, on n'a toujours pas le légendaire de notre version. Mais écoutez, eh bien, on fera ça dans le prochain épisode. Voilà, aujourd'hui, on a attrapé Zekrom. Je pensais que ça allait nous prendre un peu plus de temps. Mais du coup, à la limite, c'est pas plus mal. Et comme ça, la prochaine fois, eh bien, elle nous l'a dit. Kyurem est revenu à la grotte cyclopéenne. Donc, on ira capturer Kyurem la prochaine fois. Et, vu qu'on a Zekrom, il y a peut-être moyen qu'il se passe un truc avec les deux. En tout cas, eh ben écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye tout le monde!